Yo les gars, yo les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fall Guys. Oui, ça faisait assez longtemps, mais en vrai, il y avait juste la première et la deuxième vidéo. Puis en fait, il y a eu un nouveau mode de jeu donc, qui s'appelle Survivor du Mucus. Si. Il est incroyable. En gros, j'ai un pote qui m'a dit Viens. Ça faisait genre 2 semaines facile que j'avais pas joué à Fall Guys. Et il m'a dit Viens, il y a un mode de jeu trop bien sur Brawl Stars, sur Fall Guys. En même temps, je regarde la boutique. Et oh, Godzilla, oh il est grave dark ce skin. Et j'ai dit ouais, bon bah ok, hein, ça pourrait être sympa. Je suis allée voir, et j'ai kiffé ce mode de jeu, vraiment. En fait, il y a toutes mes épreuves préférées. Ça regroupe à peu près, en fait, toutes les épreuves où il y a du mucus, donc toutes les épreuves de survie. Aussi en même temps, donc c'est un petit, il y a un petit skin d'Halloween, donc je l'ai pris. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Ouais bon, on va rester quand même avec les sorciers. Hein. Les sorciers, vraiment, c'est mon skin préféré, les gars. Ça, c'est vraiment mon skin préféré. Hein. Ok, donc vous voyez, première étape, éliminer 21. C'est énorme. 21 dans une étape, où, voilà. Mais en même temps, là, dites-vous, genre, on est entre 50 et 60 hein, dans cette map. Alors que d'habitude... On n'est pas plus de 35. Ben là, on est entre 40 et 60. Vous allez voir, donc, là, par contre, il n'y a pas de système de manches, 5 manches, 4 manches. Il n'y a pas de système comme ça. Vraiment, l'autre jour, j'ai fait une seule game de ce mode de jeu. Enfin, non, j'en ai fait deux. Mais la première, genre, mon pote, il était mort, donc j'ai quitté. Et donc, bah, ça compte pas vraiment, quoi. Et donc, la deuxième... qu'on a fait et ben j'ai fait une finale, j'ai failli faire top 1 mais j'ai pas fait top 1 et bah voilà bah et ça a duré que 3 manches, dites-vous là genre c'était ma première game, 3 manches. Donc vous voyez là déjà à Saint-Germain-Seuse là on est 38, on va plus qu'être à 10. Ce mode de jeu les gars ça regroupe tous les modes de jeu que je préfère. Je pense que Fall Guys ils se sont dit ouais les gens ils kiffent bien Fall Guys mais ils en ont un peu marre des premières étapes. Alors, on va passer ces premières étapes. Donc, en gros, bah, ça fait 2 manches en moins. Parce que, en général, les 2 premières étapes, c'est des... Voilà. Et après, il reste plus que les épreuves de survie. Et c'est trop bien. Voilà. C'est beaucoup trop bien. Bon, là, j'ai bien joué, là. Oh là là, j'ai eu une de ces chances cette fois-là. Gros les gars, ça fait très très longtemps que j'ai pas joué à Fall Guys. Bah vous avez pu le voir, là, je suis niveau 10 ou 11. Hop, on attend. Et voilà, perfecto, on est qualifié. Ça fait plaisir. Mais aussi, ce que j'adore dans ce mode de jeu, c'est vraiment... En fait, Fall Guys, je vous dis, vous voulez faire une vidéo, si vous voulez pas qu'elle dure 20 minutes, mais même, genre, tu fais 2 parties, elle dure 20 minutes. Enfin, Fortnite, enfin, c'est pareil. Mais Fortnite, tu vois, c'est pas le même but du jeu. Et Fall Guys, en gros, t'as le temps de faire que 2 parties. Ça y est, ta vidéo, elle dure 20 minutes. Enfin, à part si tu fais vraiment un montage, tu coupes, genre, 2 secondes, ça doit compter, quoi, tu vois. Et en gros, bah, ces étapes-là, et ben, ça enlève les étapes un peu pénibles. Donc en gros, bah, ça fait 2 fois moins de temps. Donc là, vous voyez, là, les gars, on est plus de 19. Et c'est la troisième étape. On est plus que 19, c'est la troisième étape. Donc c'est une game à peu près normale. Oui, ils ont vraiment pris le truc. Hein. 0-18. Attends, là, il y a 0 personnes qui ont été éliminées. Oh, voilà, c'était top. Oh, voilà. Ouais, voilà. Une. Allez, éliminez-vous. Mais ça s'élimine pas en plus. Hein. Ça me pas. Voilà, donc c'est Hexagone Infernal. Ou alors, il y a ça roule. Parce que bah, c'est que des étapes avec le mucus. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'épreuve finale autre que ça avec le mucus. Ok, ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette étape qui est plutôt sympathique, hein, sans se mentir, plutôt sympathique. Bon, j'avoue, ça sert à rien. Ce que je viens de faire,
J'avoue que ça sert pas à grand chose. Oh non, lui il faut trop. Les gars, je sais pas ce qui se passe là, j'aurais pu garder bon espace. Oh non, c'est un salaud. Mais vraiment, il y a des salopards. Mais il y en a assez. Ok, ça va lâcher un petit endroit. On va faire le contour de la zone. Voilà. Là, je suis trop bien. Pourvu qu'il passe pas de l'autre côté. Ah bah si. Deux. Il s'est vu. Oh, lui, il est bien parti. Il s'est dit. Il s'est dit que j'étais bien parti. Et. Eh, les gars, je sais pas ce qui se passe sur cette étape. Oh, j'ai envie de le grimper. Oh non! Je me suis grave moi-même. Pourvu qu'on vienne pas m'embêter. Pourquoi ça vient m'embêter comme ça? Non. Quoi? D'où je meurs sur ça, les gars? Si vous pouvez essayer de vous abonner ou de liker, je ne fais pas mon forceur. Mais si vous pouvez essayer, ça pourrait être sympathique. Parce que vraiment, je prends beaucoup de temps sur les montages, à faire les vidéos même. Hein. Les gars, dites-vous, à faire les vidéos, tout. Je prends vraiment beaucoup de temps. Et j'apprécie faire ça. Donc si vous voulez vraiment que je mette encore plus, que je fasse des montages encore plus beaux, motivez-moi juste. Et abonnez-vous. Voilà. Donc en deuxième étape, on a cette petite étape. Donc voilà, juste gardez que là il y a une banane et que là il y a une machin. Ah oh, bah voilà, parfait. Oh. Bah voilà, c'est la seule que j'ai gardée et puis voilà. Et oui. Après, hop, on saute. Il a sauté dans le vide en mode genre pour faire en mode voilà, pour un petit peu voilà, karmarisé, et puis bah il s'est fait karmatiser parce que il est mort tout simplement. Ça passe. Oui, ça passe. Tu crois quoi toi? Ça passe, ça le fout. Bah. Là, j'ai une de ces. On va essayer tout one shot. Bam. Bam. Ouais, bam. On n'a pas tout one shot, désolé les gars. On l'a négligé. Ok, on a notre petit skin, éliminé 5, donc on va passer de 13 à je sais pas combien. Voilà. Ma petite technique, les gars, en gros, je saute au-dessus de la barre verte, et ensuite j'attends que la barre rose passe au-dessus de moi, et puis ensuite je la suis, tout simplement. Je suis la barre rose. Comme ça, je peux, en gros, bah, si j'ai une barre rose juste devant moi, je peux pas me prendre l'autre. Et donc, je peux toujours avoir un visuel sur la base, sur la barre verte, qui est bah, tout simplement la base. Voilà, parce que sinon, tu vois pas la barre verte arriver et tu peux te les prendre en même temps. Je sais pas si c'est une bonne technique. Voilà, au moins, je fais ça. Voilà. Donc, j'attends la barre rose. Je sais pas si c'est une bonne technique. Bon, il y a tellement de gens qui gênent là, donc voilà. Donc, il reste plus que 3 personnes. Deux personnes à éliminer. Enfin. Oh là là, j'ai failli me prendre la barre là. Donc là, on a Hexagone Infernal pour la finale. 7 personnes à éliminer. Est-ce que ça va le faire? Je ne sais pas. Ouf, ça n'a pas voulu sauter. J'ai trop le seum. Oui, j'ai trop le seum. Merde. Yes, j'ai réussi à. Il a réussi à me grab. J'ai réussi à le grab, mais il a réussi à me grab. Donc c'est un peu chiant quoi. Ok, il y a un mec là, on va le grab. Ouais, mais il peut toujours passer. Non, what? Les gars, ça a pas sauté. Non, les gars, je suis le pire truc là. Non. Mais les gars, j'ai pas de chance. La fille, moi, mais j'ai pas de luck là. Ça va.
pour l'instant, je me débrouille bien. Si il pourrait, genre, qu'il y ait personne ou presque sur la violette, je pense que je peux me faire toute la violette. Ce serait vraiment parfait. Pour l'instant, il y a vraiment personne sur la violette. Je suis parfaite. Vraiment, les gars, je sais pas ce qui s'est passé, mais cette game-là, petit peu de monde, mais pas trop, tu vois. Oh non, il va essayer de me grimper. Oh non, j'ai fait le pire truc du monde. J'ai stressé. Et ça m'a fait tomber. Là, faut pas que je stresse. Même s'il y a quelqu'un. Oh, éventuellement, le grab. Voilà. Faut pas que je stresse parce que là, si je tombe en gros, bah, je suis foutu quoi. Là, j'ai un bon espace. Et j'aimerais juste que le dragon qui soit en haut réussisse à tomber parce que là, je sais pas ce qui se passe. Il y a presque plus de bleu. Il y a personne qui meurt. Ah, c'est une. Deux. Attends, on va arrêter de regarder en bas. Il y a une personne en bas et le dragon. Cette vidéo vous a plu, comme quoi ce mode de jeu c'est le meilleur. Persévérez les gars, achetez un maximum ce jeu, vraiment il est incroyable. Et puis tout simplement, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'est ma deuxième, c'est la deuxième fois que je gagne. Yes, yes, putain, une couronne. Yes. À 3 likes, on fait un petit live sur ce truc. Donc voilà, si vous voulez un petit like, un petit live, et bah voilà. Et c'était Max Gamer. Moi, je suis beaucoup trop content. C'était trop trop bien. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.